Et salut tout le monde, c'est Kabuda50 et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 7 de ma playthrough sur Portal 2. Et on va prendre dans l'ascenseur pour la surface. On est à 3000 mètres de profondeur là, c'est super. Alors ouais, donc là on va devoir remonter tout en haut. Hein. Je pense que ça, voilà, donc là c'est plutôt facile, hein. Il y a des petits des murs blancs assez régulièrement, donc bon. Je pense que ça va. Oh tiens, il y a un truc là. Alors est-ce qu'on va devoir sauter? Non, apparemment. Je vois pas du tout là, ouais, c'est. Hop, voilà. Là par contre, je suis un peu bloqué, non, c'est bon. Voilà, hop. Ah oui, c'est là où on va devoir sauter, je crois, non? L'ascenseur est bloqué, donc attendez. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut sauter dans l'ascenseur. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. En fait, fallait, quand on est en l'air, fallait mettre un portail ici pour y arriver. Et ensuite, faut encore sauter, je crois. Voilà. D'accord, c'est bon, je trouvais. Je trouvais le truc. Oula, oulala, je fail! C'est bon, c'est ça. Voilà. En fait, fallait utiliser ça pour arriver en face. Puis c'est bon. Alors, petit temps de chargement. Donc là, je crois, ouais, là, on va bientôt sortir des souterrains d'aperture pour revenir un peu au centre récent. Après, on peut aussi retrouver notre ami là. Ah oui, c'est cette dernière salle, je crois ça. Je crois que c'est cette salle où on va devoir utiliser 3 GL en même temps. Ouais. C'est une des, je crois que c'est une des seules d'ailleurs. Non, non, à la fin aussi, dans le boss de fin, on va devoir. Voilà, on va devoir arriver là-haut, donc on va encore devoir utiliser. Voilà, ça. Voilà, hop. Ouais, c'est bon. En fait, faut utiliser ça pour arriver là sur la passerelle là, donc on va devoir. Hop, voilà, comme ça. En principe, on est bon. Voilà, nickel. Bon, là, on peut pas, vu qu'il n'y a pas de truc, mais. Ah, là, il rentre, il y a du gel sauteur. Ah, bah, c'est bon, je trouve, il faut mettre là-bas. Pour qu'on puisse ressauter ici, et qu'on arrive encore là-haut. Voilà, ça, c'est. C'est simple à comprendre. Voilà, là, on va rebondir. Et voilà. On arrive là. Il tombe d'où le gel? Ah, il tombe là. Voilà, donc faut qu'on arrive là-bas. Ensuite, que faut-il faire? Ah oui, on va encore devoir mettre un portail. Je crois qu'on faut qu'on saute pour pouvoir mettre un portail ici. Donc bon. Hop, on va encore devoir utiliser. Voilà, ouais, c'est ça. Hop. Et ça y est, on a un accès à la salle. Par contre, je crois qu'on va devoir revenir un peu en arrière après. Si je me rappelle bien. Bon, voilà. Donc là, on va devoir utiliser tous les 3 gels. Après, je crois l'eau aussi, ça. C'est vraiment. Non, ça, c'est pas l'eau, c'est une connerie. Vous voyez que ça va être sympa. Hein. Donc, déjà, faut qu'on essaye d'aller à l'étage là. Donc. Comme vous voyez, on va devoir courir puis rebondir là, donc là c'est plutôt facile encore. On va essayer de mettre du gel blanc un peu partout. C'est un peu chaud, je pense. Je sais pas comment je pourrais en mettre facilement là. Ah voilà, ça y est. Je sais comme ça, enfin bon. Un peu chaotique, hein. En fait, il faut essayer de mettre du gel blanc un peu partout. Hein, plus loin. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas de surface. Ah, si, attendez. Mais non, il n'y en a pas là. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a notre moyen à la limite. Si, bah, je suis con. Ah, mais là, on peut en mettre, ouais. Voilà, bah là, après, on peut en mettre partout. Ok. Bon. On
attendez là, faut que j'en mette plus là, comme ça, voilà. La merde, il tape là. Ah, oups. On va mettre la portail là. Ouais, non. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris, on va devoir donc courir. Non, attendez. Ouais, non, je crois que si on doit courir jusqu'ici pour sauter en haut. Donc, on doit mettre du gel. Du gel orange tout le long. Voilà. Oui, voilà, et on va sauter ici. Attendez, hein, je suis un peu. Hop, voilà, arrête. On va devoir sauter ici. En principe, on va arriver. Voilà, ici, à ce niveau-là. Donc, on va mettre le portail ici et l'autre là-bas. Et en principe, on va se faire. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Ensuite, on va aussi en devoir en mettre là. Ouais, c'était pas tellement compliqué en fait. Hein. Merde. Attendez, comment je peux en mettre là du gel bleu? Moi, je vais mettre comme ça, mais non, ça va pas assez loin là. Le problème, faut que je mette du gel bleu ici aussi pour que je saute de l'autre côté, sinon je vais pas pouvoir. Donc bon, il va y avoir moyen, je sais pas du tout. Ah, c'est là, je pense qu'on va devoir utiliser peut-être l'autre gel en bas. Non, je pense que ouais, attendez, je suis pas sûr, mais non, remarque, il n'y a plus là. Merde. Ah, ça y est, non, j'ai trouvé. On va devoir mettre du gel blanc ici. Oh là, je trouve que c'est trop facile ça. Voilà, comme ça ensuite on va pouvoir mettre, hop, du gel bleu là. Et puis c'est bon, allez maintenant on a tout cas, on a encore, enfin toute la manip, puis en principe on est bon. Hein. Donc voilà, vous avez compris je pense, c'est pas le gel qui bloque un peu le son, en fait c'est pas grave. Ah non, mais je suis con, je l'ai, faut mettre plus haut le truc, c'est vrai. Ah ouais, le gel bleu c'est pas mal quand même, plutôt bien fait. C'est pas possible, attendez, ça me gêne ça, je pense que je dois remettre un peu du gel. Je vais encore mettre du gel orange. Non, non, ah, c'est bon. Voilà. Hop, on ressaute. Et c'est bon, on est arrivé. Ouh, ça va, c'était plutôt simple. Hop, donc là, voilà, c'est bon. On n'a plus qu'à sortir d'ici. Et en principe, on est plus trop loin de la sortie là. Ouais, c'est ça. Non, on doit remonter dans le conduit, je crois. Alors, ah oui, c'est qu'il y a un truc là, c'est pour ça. Ah oui, ça je suis pas fou. Ok. Bon, je crois qu'on a un peu étalé du gel blanc partout. Hein. Oula, ah! Ça y est, oui, là on arrive à la sortie, ouais, on voit la porte. Alors, est-ce qu'il y a un portal là? Ici, c'est bon. La porte là, on va devoir. Attendez, ah! Ouh! Ah non, non! Aïe. Voilà, ça y est, donc maintenant on est bientôt sorti d'ici. Faut juste qu'on aille ouvrir la porte qui est là-bas et il faut qu'on accède à un bouton si je me rappelle bien. Ouais, hop, on va devoir aller là-bas. Oui, la passerelle est pétée, donc enfin il n'y a pas de passerelle, donc on va être obligé d'y aller un peu à la. À bourrin quoi. Je pense qu'on va devoir utiliser encore. Ouais, on va devoir utiliser. Ouais, on va devoir. J'ai l'inertie d'un saut, donc hop, principe portail est là. Oh ben c'est bon. Ma cible là. Ah! Ouais c'est ça. Ah ah! Ça t'affiche. Bien. Stage. Ok. Donc après moi j'ai un paradoxe et l'IA explose. Enfin l'IA meurt. Allez hop, on ouvre la porte. On est bientôt sorti, ouais. Là, vous voyez que là, les trois tuyaux avec les gels vont être reliés.
Ouais, voilà, comme ça, moi, on va pouvoir encore avoir des gels ensuite, ça va vraiment être sympa. Voilà. Ah, ça, ils nous font une 5 petites passerelles, quand même. Quelle classe. Oups, donc là, pour ressortir, moi, je vais faire. On va devoir sauter dedans encore, je pense. Ah non, en fait non, faut juste prendre le soigneur. Hop, ça y est, et puis on est sorti. Donc là on va passer à un autre chapitre, je crois. Ouais. Voilà, ça y est. On est arrivé. Oups. Bon, je ne dis pas que c'est un plan béton armé, surtout face à une IA omnipotente et mégalomane. N'empêche, c'est mieux que d'exploser. Un peu mieux. Ah, c'est enfin encore des bonnes vieilles ascenseurs. Plaisir. Voilà, donc là, on va encore avoir une nouvelle série de salles. Un peu plus compliquées, quand même. Que les autres, celles du début, mais enfin bon, ça reste plutôt simple. Donc, chapitre 8, addiction. Bon sang, mais vous êtes des cubes sur pattes. Ah, mais là, notre ami Whitley. Vous avez un but dans la vie, marcher sur des boutons. Vous avez été conçu pour ça, alors faites-le. Donc là, on sort pas là. Vous chauffez, c'est ça. Oui, vous brûlez. Non, non. Non, vous gelez là, glacial. Oh, on est là, oh. Non, c'est pas du tout ça. Mais marchez sur le bouton, punaise. Oh, c'est marrant, hein. Mais oui, très marrant. Ça fait 12 heures qu'on planche là-dessus et vous n'avez rien trouvé, vous non plus. Alors, il n'y a pas de quoi rire. Vous avez une heure. À vous de jouer. Alors, c'est très compliqué, hein. Ah oui, c'est sûr que vous y arriveriez. Oh. Bonjour. Il est temps de paradoxer. Cette phrase est fausse. Ne pas analyser, ne pas analyser. Ils ont tous grillé les cubes. Non, en fait, je crois que je l'avais déjà entendu. C'est un peu de la triche. C'est un paradoxe. Il n'y a pas de réponse. Écoutez, si je ne retrouve pas mon corps, le centre tout entier va exploser. Faux. On va dire faux. Explosion imminente. Veuillez évacuer immédiatement le centre. Soyez mon être occupé. Cœur du réacteur à température critique. Voilà, c'est réparé. Hey, vous savez pas comme ça me fait plaisir de vous revoir. Ah non, c'est vrai, justement, j'avais un peu besoin de sujet de test. Donc vous tombez pile. Et c'est parti. Oh, quel psychopathe, c'est pas possible. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait d'être dans ce corps. Il faut que je teste. Tout le temps, sinon j'ai comme des picotements. Ça doit être une routine du système. Oh, mais quand je teste, alors là, c'est le nirvana. Bon, vous, là, vous verrez que les premières salles sont vraiment faciles. Hein. Je file un peu teubé. Bref, vous allez faire des tests, et je vais vous regarder. Et tout ira. Allez, surchauffe du cœur. Fusion nucléaire imminente. Je crois qu'il y a un problème. Ouais. Ce test-là, c'est moi qui l'ai fait. Il n'est pas facile, facile. Vous remarquerez les douves, très dangereuses. Très mortel, enfin, peut-être pas dans l'état, mais à terme, c'est un projet en cours. Oui, en effet, c'est très mortel. Donc là, bon, c'est bon, le bouton, le tombe sur le bouton, oui. Ça y est. Bravo. Très dur. Hein. Ça, c'est génial. Et non, en fait, je crois que non. Oh, c'était jouissif. Tiens, j'ai une idée. Vu que c'est un peu lourd de créer des tests, vous avez qu'à résoudre le test actuel en boucle. Et moi, je vous regarde. On va pas se compliquer la vie. Et voilà. Ok. Non, que dalle. Ça mangeait pas de pain d'essayer. Alors, voyons voir. Il doit bien y avoir de nouveaux tests quelque part par là. Ouais, en effet, son paradoxe, non.
Mon Dieu. Bon, je vais faire quelques salles de test, non encore. Tout va bien. En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Ah oui, ça c'est nouveau, ça, je crois que c'était pas. Je les ai pas inventés de toutes pièces, non. Vous voyez le mot test sur le mur? Ça, c'est flambant neuf. Oui, en effet, hein, c'est un peu fait. Hein. Donc ça, ouais, le nouveau, ça c'est, le... ça c'est nouveau, je crois que c'était pas ça. En fait, c'est un genre de d'allô qu'il faut transporter. Ça fait vraiment, qui peut transporter tous les objets. Ça aussi, ça se passe. Pour les faire passer à travers les portails, donc bon, en même temps ça semble logique. Donc là on va devoir récupérer le cube qui est là-bas, donc en utilisant, donc hop, voilà. Oui, vous voyez que dans la partie du bas il y avait un bouton. Ouais, donc on va devoir l'activer avec ce cube un peu, ce cube mutant. Hop, vous voyez que là on met le portail ici, donc il y a le faisceau qui se met là-bas, hop, et donc grâce au faisceau, le bouton va l'appuyer sur le cube, appuyer sur le bouton, donc c'est super. Non, voilà. Oh, bravo vous deux, non, vraiment, avancez sans moi, d'accord? Bon, je vois tout de suite. Oui, en gros, on est mort. Oh. Je voudrais bien résoudre les tests, mais c'est impossible. Désolé, je peux rien faire. J'ai conçu ce test moi-même, à partir d'autres petits tests que j'ai trouvés. J'ai tout mélangé. Des boutons, des tuyaux, donc, des puits sans fond. C'est le Bloubi-Boulga des tests. Donc là voilà, là, on va devoir se faire bouger, enfin, comment dire. On va devoir se déplacer grâce à ce... au faisceau lumineux là. Enfin, j'ai besoin d'un faisceau lumineux, je sais plus comment ça c'est ce que c'est. Donc hop, on va aller là-bas. Voilà, hop, là on va hop, voilà, ici, et là on va le mettre là, puis c'est bon, pour remonter. Je vais vous dire comment résoudre le test. Vous voyez ce bouton? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord. C'est pourquoi je ne peux pas vous aider à résoudre le test. Peu importe, résolvez-le toute seule. Je dis rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là on va encore devoir prendre le cube qui est où? Le cube, il est là, voilà. Donc hop, on va devoir le rattraper avec le faisceau encore une fois. Donc voilà, il va tomber dedans. En fait, c'est comme nous, hein, on va devoir y aller là-bas. Et là, je vais le mettre ici. Et il va nous remonter jusqu'à nous. Et c'est pas ça parce que. Non, si c'est ça. Non, attendez, j'ai dit bêtises, je crois. Il est où le bouton en fait? Oh, il est là. Je suis bête. Donc hop, on le récupère, puis hop, voilà. Ça y est, normalement c'est bon. Oh oui, bravo. Merci, tout ce qu'on avait à faire c'était tirer ce levier. Hein? Non, vous avez appuyé sur le feu. Je sais que nous sommes certainement à deux doigts de mourir, mais ça valait le coup. Là là là. Ah oui, vous voyez que maintenant que les... ça s'appelle Whitley la boîte, hein. Ça peut le perturber. Ah. J'arrive, en tout cas, je ne peux vous spoiler, mais bon, on va pas les faire 19 en entier. Il va essayer de faire un petit truc avant, vous allez voir. Ouais, là, donc là, il va faire avancer la salle dans l'autre, on va se faire... Ok, tout va bien. Là, on va casser deux salles, normal. Oula, oui. Et voilà le travail. Sincèrement, on voit pas la différence, pas vrai? Oui, oui, il a un peu, comment dire, il a un peu défoncé la salle, mais enfin... Bref, c'est pas grave. Donc là, on va devoir aller de l'autre côté récupérer le cube, donc grâce au faisceau lumineux, encore une fois, je pense que vous avez compris, on va devoir l'utiliser pas mal ces temps-ci. Donc hop, voilà. Donc là, on va devoir le récupérer, on va mettre le faisceau lumineux ici.
Voilà. En fait, on s'appelle le halo lumineux, je crois. Un truc comme ça. Merde, j'ai mis trop loin. Je vais rapprocher un peu. Voilà. Ouf, c'était limite, hein, mais pff, ça, je l'ai eu. Donc là, on va le récupérer comme ça. Voilà. Voilà. Allez, hop. Et donc là, on va devoir. Hop, avec, oui, avec le. La catapulte, on va le reprendre le faisceau. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va sauter tout simplement. Et on va devoir mettre le bouton qui est là-haut. On va remettre le cube là-bas, donc hop, on va. Voilà, on va devoir reprendre encore une fois. Voilà, faut que je vais le lâcher de toute façon. Ça ne plus à rien. Donc là, je vais le mettre là. Puis c'est bon. On est bon en principe. Moi, je vais plus qu'à sortir d'ici avant. Allez, ça y est. Ça vient. Voilà. Hop. Oh, déçu. Bon, j'en fais encore une petite et je pense que je vais couper ici. Petite salonnette, je vais voir si elle est compliquée. Bon, je pense pas, mais. Sur maintenant, vu que j'ai déjà fait plusieurs fois. Ce n'est sans doute rien. Continue les tests, je cherche une issue. Bon, le dernier test était décevant. Puisqu'apparemment, ouais, ça, plutôt facile la politesse, ça vous réussit pas, on va essayer sa manière. Ah, j'essaie de vous montrer un truc là. Grosse vache adoptée, gros bovin à mamelle sans maman. Donc là, je vais choper la tourelle juste pour vous faire un truc. Pas de parents déjà. Et puis voilà. Rien. Donc là, en fait, on peut péter les écrans là où ils sont. Orphelins. Oh, c'est mignon les primates. En fait, si vous pétez certains écrans, vous allez avoir un succès juste pour la petite anecdote. Bon, allez, la tourelle. Adios. Hop. Je vais pas m'en servir. Oui, non. C'est. Non, faut un cube, ouais. Donc là, vous voyez qu'on peut inverser le faisceau, donc il est dans l'autre sens, hein, logique. Donc là, on va encore devoir une fois récupérer le cube qui est là-bas sans devoir traverser. Vous allez voir, c'est magique. Voilà. Voilà, donc j'attends qu'il soit un peu à ce niveau-là, puis je vais remettre le faisceau dans l'autre sens pour qu'il arrive à nous. Voilà. Hop, c'est bon. D'ailleurs, je suis con, j'aurais pas dû attendre jusque là, oui, c'est vrai. J'aurais pu revenir bien avant. Voilà, donc c'est bon, j'ai le cube. Hop. Ensuite, il faut que je repasse de l'autre côté, donc là. Je vais devoir. Comment vous dire. Voilà. Vous voyez que là, il est dans le mauvais sens, le faisceau, donc bon, je peux pas revenir. Donc hop, voilà, je vais mettre le cube là. Comme ça, je peux revenir. Tranquillou. Du coup là il me faut peut-être. Non c'est bon. Hop. Et donc là faut que je pousse le cube d'abord parce que là faut que je monte ici mais bon le faisceau dans le mauvais sens, faut que je le remette dans l'autre sens. Voilà donc là c'est bon. Je l'ai poussé un peu le cube. Puis c'est bon, je monte, puis la porte est déjà ouverte, y'a pas de bouton, super. Moi je suis un abruti, pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre un test simplissime? Je trouve vraiment ce jeu énorme mais bon, il est vraiment trop court. J'espère qu'ils vont en faire un 3. De toute façon, il y a les. Sur PC on peut racheter de nouvelles maps fait par les joueurs. Hein. Bon, allez, je vais couper là. Hop, je vous laisserai la surprise un peu plus tard. C'est ça n'est pas mal d'ailleurs je crois, oui c'est là où il y a. Vous allez voir. Donc voilà, tout ce monde on se retrouve pour d'autres vidéos.